Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler plutôt sur des exercices du type calcul d'intégrale. Ici, donc l'exercice est de montrer la convergence et calculer les intégrales. Mais si on vous demande de calculer une intégrale, quasiment la seule façon est de passer par une primitive. Il y a une autre façon qui consiste à passer par une intégrale de référence. Mais quand il n'y a pas d'exponentielle, à moins qu'on arrive à en faire apparaître dans l'intégrale de référence, ça va passer quasiment tout le temps par du calcul de primitive. Puisqu'il va y avoir du calcul de primitive, plutôt que de perdre du temps à montrer la convergence, qui est quand même assez long, faut quand même vérifier en quel point l'intégrale est impropre pour pouvoir les enlever pour le calcul. Mais une fois qu'on a établi en quel point l'intégrale est impropre, on peut peut-être gagner du temps à essayer de se lancer directement dans le calcul de primitive, notamment vis-à-vis de cette question où on a un changement de variable qui nous est proposé. Et on va voir ce qui se passe. Alors, donc ici, cette intégrale-là, on en a déjà parlé hier, sauf qu'elle allait de 1 plus l'infini. Donc on va en reparler un tout petit peu ici, du domaine de continuité, parce que ça va nous montrer qu'elle est impropre en un second point. Et on va voir que pour le calcul, ce n'est pas très très gênant. Donc, allons-y. Première chose à dire, donc on le sait déjà, c'est toujours la continuité pour en quel point l'intégrale est impropre. Ln de t est continue sur R plus étoile. Et on peut le dire, t donne 1 sur 1 plus t carré est continue sur R, car 1 plus t carré est toujours strictement positif pour les règles sur le quotient. Donc, on va se limiter à ça, l'intégrale est impropre en 0 et en plus l'infini. Alors comme je l'ai dit, on n'est pas obligé d'établir la convergence de cette intégrale pour moi, on peut passer directement au calcul en remettant des bornes. Il y aura une borne petit epsilon à la place du 0 et une borne grand A à la place du plus l'infini, parce qu'on ne sait pas faire de calcul sur des intégrales impropres, mais on n'est pas obligé de reparler de la convergence. Ici, je vais le faire juste pour un tout petit truc. On a déjà établi la convergence de l'intégrale en 0. Je vais quand même parler un tout petit peu de étudions la convergence de. Alors, il faudrait séparer l'intégrale en deux. Donc, par exemple, de l'intégrale de 0 à 1, pour voir le problème en 0 de 1 plus t carré dt. Première chose à dire maintenant qu'on est là-dessus et qu'on sait qu'elle est impropre en 0, c'est toujours de vérifier le signe. Ici, on a un ln qui est négatif, donc on va passer en valeur absolue. Valeur absolue de ln de t sur 1 plus t carré, ça fait tout simplement du valeur absolue de ln de t sur 1 plus t carré. Et quand t tend vers 0, le dénominateur est très simple, quand t tend vers 0, il tend vers 1, donc ça c'est équivalent à du ln de t en valeur absolue. Pourquoi j'en parle de ça? Parce que cet équivalent-là en 0 est très 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 commun pour les intégrales impropres. Et cet équivalent-là en 0, il faut justifier de sa convergence. On peut justifier en se comparant à une intégrale de Riemann sans problème. Mais ici, je préférais juste parler du résultat classique à énoncer ici, parce qu'on a déjà fait ce calcul, il faut connaître ce calcul, il est vraiment très pratique de connaître la primitive ou au moins de savoir la retrouver rapidement. Or, l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt converge. Alors, dans certaines sections, c'est vraiment un point de course, là, chez vous, ça ne l'est pas. Donc, faut s'habituer à gérer ça autrement, c'est pas très très grave. Mais donc, si on veut pouvoir écrire des choses un tout petit peu correctes là-dessus, ce qu'on peut écrire, c'est car, et ça va plus vite, je pense, que ce qu'on parle à une intégrale de Riemann, car la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale de epsilon à 1 de valeur absolue de ln de t dt. Alors, comme le ln est négatif sur cette intégrale-là, c'est égal à moins l'intégrale de epsilon à 1 de ln de t dt. Maintenant qu'il n'y a plus de valeur absolue, on peut primitiver. Et ça, comme on en a déjà parlé, ça se primitive en tln de t moins t. Vous n'avez pas officiellement à connaître cette primitive. Elle se retrouve par IPP si vous avez du mal, mais il faut savoir en tout cas faire les calculs vite.
limite, et ce calcul-là tend quand epsilon tend vers 0. Alors, il y a un moins devant. Et comme il y a un moins devant, cette intégrale tend vers 1. Donc, on a bien la convergence de l'intégrale sur 0,1. Donc, cette intégrale est convergente. Ça ne nous a absolument pas permis d'avancer sur la valeur de la somme, sur la valeur du calcul de cette intégrale. Mais au moins, j'ai pu vous parler de ce petit point de détail qui est une astuce assez pratique. Allons-y pour le calcul de l'intégrale. Donc, comme je l'ai dit, on pourrait se passer de la convergence et juste revenir à regarder l'intégrale de epsilon à grand A de ln de t sur 1 plus t carré dt. Et on va se servir de l'indication du sujet. On pose u égale 1 sur t. Donc, on pose un changement de variable, il est donné dans le sujet, donc toujours, on peut justifier de la bijectivité du sujet, du changement de variable. U de t qui est égal à 1 sur t, si on pose ça comme ça, u est bien une fonction déjà de classe C1 sur 0 plus l'infini, ouvert en 0, attention, c'est la fonction inverse, strictement décroissante, donc bijective. Puisqu'on est revenu à des bornes finies, on va dire que U de epsilon, tout simplement, ça fait du 1 sur epsilon, que U de A, ça fait du 1 sur A, ça c'est pour les nouvelles bornes. Et maintenant, on va faire le changement de vitesse, donc U prime de T, ça fait du DU sur DT, et vu le calcul, ça fait du moins 1 sur T carré. Ce qui implique, si on veut écrire les choses un tout petit peu correctement, alors il y a plein de façons de l'écrire. En général, ce qu'on veut remplacer, c'est dt. Donc dt, on peut le remplacer par du moins t carré du. Le problème, c'est que ça ne sera pas facilement remplaçable. Par contre, pour une fois, on a un bon lien entre t carré et 1 sur t. Donc ça, c'est dû tout simplement du moins 1 sur u carré du. Donc on a le changement de vitesse, il nous reste à faire le changement de corps. Comme on a un changement de vitesse propre, il ne reste plus qu'à remplacer partout les liens. Alors on peut refaire le lien dans l'autre sens, hein. Si U est égal à 1 sur T, on va pouvoir aussi remplacer tous les T par des tout simplement 1 sur U en réinversant. Et donc l'intégrale de epsilon à A de ln de T sur 1 plus T carré dt, c'est égal à l'intégrale, donc le 1 sur epsilon, on a vu qu'il se changeait, enfin le epsilon se change en 1 sur epsilon, le a en 1 sur a, le ici on va utiliser donc du ln de 1 sur u, ici on va utiliser du 1 plus 1 sur u, le tout au carré, et on va multiplier ça par moins du sur u carré. Donc on a une nouvelle intégrale, on va faire tendre les bornes vers ce qu'il faut. Et on va essayer de voir comment on peut aider au niveau du calcul et voir ce qui se passe. Alors, je vais repartir de ce petit calcul-là et je vais le remettre là-bas en haut pour qu'on puisse s'en sortir. Oups, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, je pense. On va voir si je peux quand même le coller, c'est bon. Alors, continuons le calcul. Ce qu'on va pouvoir dire en simplifiant un tout petit peu, donc pour le moment je vais garder mes bornes finies, j'ai du 1 sur u, j'ai du 1 sur a, ln de 1 sur u, par règle de propriété sur le ln, vous devez savoir que c'est du moins ln u, et ici je vais juste remultiplier par du moins du, et je vais tout mettre au même dénominateur, c'est à dire qu'en fait je vais faire le u carré fois 1 plus 1 sur u carré. Et donc ça, c'est tout simplement égal à l'intégrale de 1 sur epsilon à 1 sur a. Et si on simplifie, en fait, on se retrouve avec du ln de u du sur 1 plus u carré, qui est exactement la même intégrale que celle de départ, sur un segment qui est complètement maîtrisé. Mais cette intégrale, surtout, est convergente. Donc je peux complètement passer à la limite dans ce terme-là. De toute façon, je peux passer à la limite parce que le bornes de gauche converge. Mais ça, ça tend... Alors on peut le faire en deux temps, ça tend quand epsilon tend vers 0, si je vais tendre vers l'intégrale de plus l'infini, qui est du 1 sur epsilon, epsilon bien sûr tend vers 0 par valeur strictement positive, de 1 sur a ln de u sur 1 plus u carré
du. Et ensuite, cette nouvelle intégrale-ci est l'intégrale de plus l'infini à 1 sur a de ln de u sur 1 plus u carré du. Ça, ça tend quand a tend vers plus l'infini vers l'intégrale de plus l'infini à 0 de ln de u sur 1 plus u carré. C'est un 0 là. Donc au final, puisqu'on peut faire tendre sur les deux membres, et que le membre de gauche, on sait très bien ce qui va se passer, on a que l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t carré dt, c'est égal à l'intégrale de plus l'infini à 0 de ln de u sur 1 plus u carré du. Je rappelle que ces variables u et t sont complètement muettes. Donc je peux retransformer ici en posant du u égale t que ceci c'est moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t carré dt. C'est ce que j'appelle régulièrement une équation intégrale. Si le membre de gauche, je l'appelle tout simplement i pour la valeur de l'intégrale. Voilà, ce que donne ce calcul, je vais essayer de le garder en bas et juste de finir en haut, vu qu'on a fini. Ce que donne ce calcul, c'est uniquement ce qu'on vient d'obtenir, c'est que i est égal à moins i. Donc si je fais tout simplement du plus i des deux côtés, ça me fait du 2i égale 0, ce qui est équivalent à ce que l'intégrale i vaut 0. Donc on a bien fait le calcul de l'intégrale. Et puisqu'on a le calcul de l'intégrale, on a prouvé en même temps sa convergence. Cette intégrale converge vers 0. Ce qui prouve aussi que ce n'était pas une intégrale de terme de fonction à terme positif, vu que sinon ça ne va pas converger vers 0. Voilà pour cet exercice.